Voilà, alors le grand débat, réelle opportunité citoyenne ou pas, pour en débattre avec nous ce midi sur ce plateau, Olivier Jean-Marie, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes consultant et un des animateurs de la conférence citoyenne. Avec nous aussi Jérémy Ferdinand, bonjour. Bonjour et bonjour à toutes les Martiniquaises et Martiniquais qui nous écoutent et qui nous regardent. Voilà, vous êtes membre de PIA. Alors première question à tous les deux, est-ce que véritablement ce grand débat a eu du succès chez nous et est-ce qu'il va servir à exprimer l'opinion des citoyens martiniquais, Olivier? Vous qui étiez donc, on le rappelle, un des animateurs de cette conférence et qui prônait justement la parole citoyenne. Oui, donc j'ai été animateur d'une conférence citoyenne régionale. On a eu 13 dans l'Hexagone et 4 autres dans les autres territoires d'outre-mer. Et alors, je ne sais pas s'il a eu du succès, si le grand débat national a eu du succès, mais je sais que c'est une occasion. C'est une occasion donc d'écouter des citoyens, donc pas la totalité des citoyens. Et moi, à chaque fois que les citoyens ont la possibilité donc d'exprimer leurs pensées, leurs idées, leurs besoins, il faut la saisir dans cette démocratie imparfaite dans laquelle on est. Cette démocratie, je dirais, en intermittence, hein, en fait, compte qui est rythmée seulement par les élections. Donc, entre les élections, il faut participer. Et alors, on sait bien que ce débat national-là a été contraint. Ça, c'est pas quelque chose de spontané qui a été organisé, qui était dans le programme présidentiel et du gouvernement. Donc, c'est quelque chose qui a été organisé dans la contrainte et qui est aussi délimité, donc avec 4 thèmes qui n'ont pas été choisis par les citoyens, mais qui ont été choisis par le président et le gouvernement. Donc, il y a beaucoup de contraintes, mais ça laisse quand même quelques espaces pour pouvoir faire passer donc quelques messages pour les citoyens. Alors Jérémy, est-ce que vous entendez le fait qu'il faut quand même saisir l'opportunité pour les citoyens de s'exprimer ? Il est effectivement important pour le citoyen lambda de s'exprimer sur les sujets qui lui sont chers. Mais comme M. Jean-Marie l'a dit, les sujets sont déjà clairement définis par le gouvernement et vraisemblablement ne va pas apporter de réels changements sous l'orientation générale du gouvernement. Mais on parle de grand débat national, mais il est important aussi de souligner les initiatives qui s'en font en Martinique, comme par exemple au Prêcheur, où là, vraiment, il y a des décisions de prise avec les citoyens et les citoyens sont de véritables acteurs dans leur quotidien. Est-ce que vous pensez donc que les mesures qui vont être prises, tout ce qu'il y a eu comme ressenti dans ces débats, va être entendu par le gouvernement? Parce que c'est ça l'important. Je pense qu'il est important de retourner sur les raisons réelles. Comme M. Jean-Marie l'a dit, il est important de retourner dessus. Effectivement, le gouvernement était contraint de par la crise des Gilets jaunes. Et sur les questions choisies par le gouvernement, aucune ne pourra répondre au quotidien des Français et notamment au quotidien des Martiniquais. Vous pensez qu'ils ne vont pas arriver à répondre à cette inquiétude? Mais le gouvernement l'a dit, hein, sur les grandes questions, les grandes revendications des Gilets jaunes, notamment sur l'ISF, sur la question fiscale, il ne reviendra pas dessus. Le gouvernement ne reviendra pas dessus. Je ne dis pas par là qu'il n'est pas important de s'exprimer. Effectivement, il est important de s'exprimer. Et on a vu sur certains points que les citoyens ont effectivement quelque chose à dire et de très bonnes propositions. Mais malheureusement, le choix final est celui du gouvernement et le gouvernement a déjà donné ses orientations. Vous croyez que ce genre de débat peut faire infléchir l'orientation du gouvernement, la politique gouvernementale ? Moi, je pense que oui. Je pense que aujourd'hui, personne ne sait très clairement comment on va se retirer de ce grand débat-là. Je ne sais même pas si le gouvernement le sait lui-même, le président le sait lui-même. Mais je pense que il faut se dire que s'il n'y avait pas eu la mobilisation des Gilets jaunes, notamment contre la taxe carbone, ben on ne serait pas là. Donc chaque fois que le peuple parle, chaque fois que le peuple s'organise, on peut infléchir la position des gouvernements. Donc, on l'a vu donc là en France, mais on le voit aussi en Algérie. Donc, il ne faut pas se satisfaire et croire que le grand débat va permettre seul justement donc d'organiser la parole citoyenne. Ça vient en complément donc des démarches qui existent déjà comme au Prêcheur et dans d'autres communes de Martinique, mais ça vient aussi à côté donc de l'organisation que les citoyens doivent mettre en place. Et je pense notamment par exemple aux usagers du transport public. Et la question du transport, en fait, compte a surgi dans ce débat-là, dans la conférence citoyenne de vendredi et samedi.
Il est clair que les citoyens doivent aussi s'organiser par eux-mêmes. Donc, ils Voilà, il y doivent. a un problème peut-être de formation du citoyen aussi. Alors, ce que moi j'ai constaté en participant à cette conférence citoyenne-là, c'est qu'il y a aussi une problématique du financement de la démocratie participative. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la démocratie élective est bien financée. Les partis sont financés, donc sur des fonds publics, les élus sont indemnisés. Mais les Voilà. citoyens lambda, eux, ne sont pas financés pour justement pouvoir se réunir, Participer à la vie trouver une publique. salle. Là, la conférence citoyenne a eu lieu au collège d'Illon 2. Et il y avait autour de cette conférence citoyenne-là au moins une D'accord. dizaine de fonctionnaires qui se sont mobilisés pour organiser cela. Tout ça, c'est financé sur des fonds publics. Et donc moi, je dis, mais quand est-ce qu'on va financer la démocratie participative et l'organisation des citoyens? Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que les citoyens soient plus entendus selon vous? Bien que les citoyens se mobilisent plus souvent. Qu'est-ce qui Mais les empêche de se mobiliser? je tiens à revenir sur ce que M. Jean-Marie a dit. Je ne suis pas certain que ce grand débat va aboutir à quelque chose. Je prends quelques exemples concrets, notamment ce qui se passe à l'Assemblée nationale, où nous avons des députés martiniquais, tels que Jean-Philippe Nilor, par exemple, qui expriment des volontés de mieux gérer la société martiniquaise, et notamment sur la question des étudiants en fait d'études pour retourner majoritairement en Martinique, en Guadeloupe s'ils le souhaitent. Et on voit que peu importe, quel que soit. On vous dit qu'ils n'ont pas le pouvoir de Donc, faire quoi que ce soit, non, finalement. je dis par là que le gouvernement n'entend rien du tout. Si le gouvernement n'entend pas ses propres élus à l'Assemblée nationale, ce n'est pas les citoyens que le gouvernement va écouter. Le gouvernement n'entend rien. Par conséquent, il est impératif aujourd'hui pour les citoyens de s'organiser, de se former et de voir s'il n'y a pas une manière ou d'une autre de peser sur les décisions, que ce soit à l'échelle nationale, mais aussi à l'échelle communale, par exemple. Malheureusement, on arrive déjà au bout de ce débat. Je sais, ça a passé très vite. Alors, Olivier, très vite, votre livre Cranchet, Grand l'esprit, hein, qui explique justement toute cette volonté citoyenne de voilà, faire participer les citoyens. Oui, tout à fait. Merci beaucoup à tous les deux et on poursuit avec la sécheresse.